Mickaël. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète, on s'occupe de toi. Il y a le podcast sur Énergie. Et avant cela, Mohamed à Savigny-le-Temple dans le 77. Salut Mohamed. Ouais, salut, bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Ça baigne, tranquille. Cool. Bon, eh bien, bienvenue à toi. Alors, merci les amis. Mohamed, on va jouer au taxi du bled maintenant. Principe du jeu très simple. Déjà, tu vas commencer par choisir quelqu'un à affronter, Tof, Polo, Amina ou moi. À savoir que pour l'instant, merde, j'ai pas mis à jour. Attends, c'est Tof, il a gagné hier. C'est qui? Oui. Attends, alors Tof a gagné. Donc, ce qui nous fait que tout a changé, hein, tout a été chamboulé. Moi je sens Polo, moi. Prends Polo carrément, rien à foutre des victoires et des défaites. Très bien, parfait. Donc juste pour info, il y a quand même une victoire pour Tof, une pour moi et puis une défaite pour Amina et pour Polo. Voilà. Ouais. Ah bon, bah ça va, déjà on met un peu les chances de notre côté, tu vois. Voilà, et bah écoute, en tout cas, je te le souhaite. Bon, taxi du bled, donc vous allez choisir. On va appeler à Paris, comme ça Polo sera content, on appelle dans la capitale. C'est voilà. Ça, ouais. La capitale du monde. Et oui. Et donc, tu vas devoir choisir une ville dans laquelle tu veux partir, évidemment ailleurs qu'en France et loin. Tu veux partir où, Mohamed? Ah, carrément, ailleurs qu'en France. Ah oui. C'est un taxi du bled loin. Eh, vous êtes chaud, alors attends, un truc pas trop loin pour un taxi de Paname qui pleure pas trop sa race. On va se dire quoi? On va se dire, parce que le pauvre, non, il va craquer. Non, pas assez loin, frontière belge. Non, sors-nous des bails genre Portugal, Espagne, Allemagne. Jonquera, d'accord, ok, super. Ok, très bien. Ah, la Jonquera, parfait. Il est chaud, Mohamed. Très bien, Mohamed, tu veux commencer ou tu laisses Polo démarrer? Vas-y, on voit la sauce. Passe-moi le taxi. Tu démarres? Allez hop, c'est parti. Et donc on l'appelle à Paris, hein, d'accord Mohamed? Vas-y. Allez, c'est parti. Bonne chance Momo. Vas-y mon frérot. Bah, bon courage pour faire le, bien, là. Le businessman qui va à la Jonquera, c'est un peu bizarre. Oui, ça par contre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, oui. Ouais, bonsoir monsieur, je suis bien sur les taxis. Oui. Service taxi, dis-moi chef, je tombe que sur des bras cassés depuis tout à l'heure. Honnêtement, j'ai une sacrée urgence, mais une urgence de dingo. Il faut juste que je tombe, c'est quoi, sur un mec vraiment, tu vois, il a pas froid aux yeux, tu vois, un vrai routier, tu vois, le taximan, tu vois, parce que honnêtement, là, je te cache pas, j'ai une grosse course à faire. Rien pour ça, pour faire gagner la vie. Je te dis honnêtement, si t'es. Mais est-ce que t'es motivé pour rouler toute la nuit? Mais tu gagnes, je te paye le double. Ça veut dire ta course. Aller où? Moi, je te donne le double de ta course. Je te dis, je vais gagner, je dois. Voilà. Pour aller où? C'est ça que je veux savoir. Écoute, je sais pas si tu vois le Pertus où c'est ou pas. Le Pertus, ouais. Le Pertus, tu vois, la frontière juste après Perpi là-bas. Voilà. Exactement, tu passes la frontière, t'arrives toi vers la Jonquera, parce qu'en fait j'ai de la famille là-bas, j'ai le tonton, il est bloqué, ça fait 24 heures. Tu vois, il est arrivé de là-haut, il est en mode galère totale. Ouais, c'est ça, ouais. Et honnêtement, t'as vu, il faut que je trouve une solution. Bah mais tu sais c'est combien le double? C'est au moins 2000 euros. C'est pas grave frère, moi je te la paye ta soirée. Moi je te paye ta course. Et en plus, par Hazou, je te rajoute le double de la course pour toi, dans ta poche. Allez, frère, t'es où? Dis-moi, j'arrive à 200 km/h. Eh ben, vas-y, bon bah, Marave. Je suis sur Paris 16e. Ouais, Paris 16e. Tu m'as appelé en numéro privé. Il faut que tu m'appelles en. L'outil est chaud, là, il se bat une pile balle qui vont tomber. Je te rappelle avec mon numéro en normal tout de suite, en vif, là, dans 3 minutes. Comme ça, moi, quand j'arrive, je te rappelle. Eh vas-y, impeccable, je te rappelle tout de suite dans 3 minutes. Ah, c'est le boss du rap game. Okay, vas-y, bien vu, t'as un bon tu gères. Merci. Vas-y frère, t'inquiète pas. Vas-y tout de suite, comme ça il blague pas. Eh, je te mets bien mon frère, ma tramène, je gare. Là-bas, frère, je te mets bien moi. Je te fais confiance frère. Je sais même pas si je pars dans une galère, mais vas-y. Mais y'a rien, t'inquiète pas, père de famille, vas-y. Tout ça, on me donne bonne moi aussi, famille. Je suis père de famille, frère, j'ai deux enfants. Bah, oh là là, ils vont raconter leur life. Vas-y, la chicha, les gars. Bien sûr, toi, je te mets en espèce, bien sûr. Je te donne pour toi. Vas-y, arrive tout de suite, frère. Juste appelle-moi en numéro pas caché, comme ça, dès que j'arrive, je t'appelle. Et moi, je viens tout de suite, là. Vas-y, c'est quoi ta voiture? Tu roules en quoi toi? Non, mais on s'en fout, on va y passer la nuit, Momo. Ne me dis pas un 405 du bled, frère, ou je sais pas quoi. Parce qu'il veut descendre en BM. Bon, à la bien, frère, impeccable.
Eh frère, vas-y. Si t'as un petit hanout, prévois une petite bouteille de champagne pour la route. J'ai du sky avec moi. Quand même. Bon, Mohamed, je te mets de côté. C'est parti, on y va. Autour de Polo maintenant. Je vais pas la faire. Je vais à Berlin. Je vais à Berlin. Je vais à Berlin. T'as quitté Paris, non? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Je voulais savoir si c'est d'ici ce week-end, vous pouvez aller m'emmener à Berlin. J'ai une affaire à régler. Bien entendu, tout est pris en charge par la société. Donc, il n'y a aucun problème pour le. Je vous paye l'aller-retour, bien entendu. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, vous m'avez entendu ou pas? Oui, non, Berlin, je ne fais pas. Par contre, les États-Unis, c'est possible. Hein. D'accord, bah, allez-y alors. Trouvez-vous un client par les États-Unis, je vous remercie. De rien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est ça, Paris, hein? Aïe, bâtard! T'as bien joué, Mohamed, bravo! Merci. C'est pas le mec qui nous écoutait, ça? T'as tué le game, hein? Peut-être, mais il aurait dû dire. Excusez-moi, les gars, une petite question. Franchement, maintenant que j'ai gagné, vous voulez pas vraiment me le payer le voyage? Il veut aller décharger maintenant. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Bon, Mohamed. Bon, d'habitude dans les jeux comme ça, c'est des petits cadeaux parce que voilà, bon, le jeu est pas très compliqué. Ouais. On va quand même te filer un plus gros parce que t'as quand même été bon, tu nous as fait le show. Là. T'as tué le game. Donc ouais, tu vas gérer. Qu'est-ce qu'il y a Mina, il reste quoi en stock? Google Home si tu veux. Ah, une Google Home. Une quoi? Google Home, c'est une enceinte connectée. Bref, Amina va te faire Google Home, le détail, t'inquiète. Bon, Momo, bravo en tout cas. Des grosses biches, je vous embrasse. Allez, à bientôt. Salut Mohamed, c'est vrai, t'as raison. Salut Mohamed, ciao à toi. Putain, l'autre, j'ai de la peine pour le taxi là. Et l'autre, il est en train de dire putain, il va m'en rappeler. Merde. C'est clair, il est en train de dégager sa meuf. Dégage, t'emmerde. Il faudrait le rappeler en disant bonjour, monsieur le fisc au téléphone, vous avez accepté de l'argent. L'alcool, on va lui pourrir sa soirée jusqu'au bout. Voilà, tout est enregistré, vous aviez du whisky dans votre voiture, vous êtes taxi. Et bien écoutez, vous n'allez pas rester taxi longtemps, monsieur, sachez-le. Le pauvre, il est père de famille, il l'a dit. Oui, après, alors. Ça n'empêche, bravo. Salaud. Eh oui, salopard. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète, on s'occupe de toi. Il y a le podcast sur Énergie.